Alors bonjour à tous, je suis pas très content, je suis vraiment pas content les amis. Je suis vraiment pas content de tous les likes qu'il n'y a pas eu sur ma dernière vidéo. Donc on va faire quelque chose de très simple, ça va être très simple. À 3000 likes sur cette vidéo, j'explose ça avec un clavier tout simplement, un clavier voilà. Une mitraille de 100 coups, ça vous de jouer 3000 likes sur cette vidéo et bah ça part en fumée. Et aussi attention les amis, trophée YouTube de GX. Déjà je le tiens à l'envers donc ça se voit que voilà, ça se voit que je l'aime. Trophée YouTube de GX, je suis vraiment content de l'avoir reçu. C'est seulement symbolique, ça veut rien dire, mais pour moi c'est une preuve. Oh, attends, on en parle ou pas qu'on me voit mieux dans ça que là? Je comprends rien moi. Ça veut rien dire parce que bah ma chaîne entre guillemets je peux la perdre du jour au lendemain. Il suffit qu'il y ait 3 strikes ou quoi, mais voilà. Pour moi c'est la preuve matérielle que j'ai fait quelque chose de concret sur YouTube, tout simplement. Merci à vous. Bon, à part monter mon ego, qu'est-ce que j'ai les amis? C'est tout simplement un clavier que j'ai commandé sur Amazon. Vous savez, j'ai fait une petite série où est-ce que je teste des produits Amazon un petit peu pas cher pour voir un petit peu ce qui en découlait. Et bah pour le coup j'ai reçu le clavier 4 semaines après. Bon voilà, on l'a pas payé cher mais tout de même. Je ne sais plus le prix, je vous le dirai en description. Packaging plastique, voilà, normal. Tout simplement normal. Et puis c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Prenez 2 secondes pour cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en bas de la vidéo. Le petit bouton rouge avec écrit s'abonner, vous cliquez dessus si c'est pas déjà fait. Vérifiez tous parce qu'il y en a qui sont toujours pas abonnés. Et bah peut-être que vous loupez des choses. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Et si c'est pas déjà fait, activez la cloche. Merci infiniment les gars. On se retrouve en vidéo unboxing. Bah c'est parti. On va pas prendre beaucoup de temps pour l'ouvrir, je pense. Enfin j'espère. Ok, donc on va déjà ouvrir ça. Voilà. Bon, ça va, c'est assez simple, malgré que bah, le packaging pue la merde, honnêtement. On enlève ce vieux paquet et on reçoit un clavier pas mal tordu. Alors ce clavier il est très spécial comme vous avez vu. Il a les touches rondes, c'est ce que je voulais. En tout cas bah voilà, le packaging en soi honnêtement il avait l'air d'être cool. Mais ce qui a tout cassé bah ce sont les petits défauts de transport je pense. Enfin c'est les risques du transport et l'arrière un peu cabossé. Ok bon, le packaging un peu cabossé. Mais le contenu j'espère, il y a encore une chance que le contenu soit cool. Je veux dire, c'est pas parce que le packaging est un peu cassé que le clavier va être cassé, ça dépend. Donc on va l'ouvrir. Ok, donc là on peut voir qu'il a bien quand même été protégé, donc il a peut-être pas non plus pris beaucoup cher étant donné que ça amortit, ça a bien amorti tout ça autour je pense. Donc déjà c'est assez, ah ouais, ultra stylé les amis. Ah ouais. Eh hey, putain de téléphone. Ok, donc je kiffe les gars, c'est comme une machine à écrire, je kiffe. C'est trop stylé, j'ai envie de faire ça toute la journée là. Vraiment les gars, c'est trop bien, vraiment. On va sortir le fil. Vous avez vu que bah, c'est un clavier un peu spécial, mais il est quand même, il a bien été envoyé quoi. Je veux dire, même si ça a pris du temps, je ne sais plus combien d'euros ça a pris, mais le packaging au final, ça a bien été protégé malgré que ça a été envoyé. Il y a un poil là, mais gros ils sont dégueulasses. Et c'est quoi, c'est un poil de quoi ça? Non, ok, c'est un fil en plastique, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est un truc bizarre, ça aussi, encore. Déjà, bah, vous pouvez voir que le clavier, il est au switch bleu. Alors, ça, c'est dingue, c'est une dinguerie. Alors, les gars, je vous ai déniché vraiment le meilleur clavier, enfin, le meilleur clavier, le plus what the fuck. Ok, il est vraiment switch bleu et les touches sont vraiment bizarres. Donc, vous pouvez voir là, les switch. Voilà, c'est pareil pour tout. Sans QWERTY, par contre, il suffira juste de changer les touches, même si c'est un peu chiant. Et tac. Bon, ce qui est spécial, en fait, c'est vraiment la forme des touches et la couleur aussi. Parce que c'est pas souvent. Ah, ça, c'est métallique aussi, les gars. Enfin, ouais, métallique parce que c'est froid et c'est dur. Donc, métallique. Ça, plastique au-dessus. Ça, plastique aussi. On a l'impression que c'est du métal, mais c'est du plastique, je crois. Enfin, quoique, non, peut-être pas. Je sais pas. Bon, on va faire un petit test de son. Je sais que vous aimez ça, les gars, donc. Bon ok, ça fait vraiment très aspect machine à écrire. En tout cas c'est quand même clean, honnêtement c'est quand même clean. Après c'est assez spécial, c'est sûr que c'est assez spécial. Pour écrire, pour jouer aussi c'était un peu chaud parce que je sais pas. En fait c'est totalement différent des touches carrées. Et je pense que c'est ça qui peut jouer un petit peu sur le fait que bah c'est un peu perturbant. Alors, en tout cas c'est très satisfaisant d'appuyer sur les touches. Bon j'espère qu'il va tenir le coup parce que nous on va passer sur Fortnite. Avant on va juste le brancher et après on va le tester tout simplement. Parce qu'on n'a pas acheté un clavier pour rien. Hop là. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter et aller sur mon Discord les gars. Tout sera en description. Par contre là c'est fou là. Donc what. Ok, vous êtes prêts? Est-ce que c'est rétro éclairé ou pas? Moi je pense que oui. Je pense que oui. En blanc. Non, en multicolore. What? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais what the fuck. Mais what the fuck. Mais les gars, c'est un clavier multicolore.
Attendez, c'est un clavier multicolore aux touches rondes à switch bleu. Mais mon gars, mais mon titre, il va ressembler à quoi? Bon, en tout cas, c'est super stylé. Ça rend bien, vraiment. La couleur blanche et le multicolore, là, ça rend vraiment bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça rend vraiment bien. Bon, du coup, on va faire une petite cinématique autour du clavier. Et puis, on va se retrouver tout simplement sur Fortnite Battle Royale. Et puis, voilà, j'ai rien à dire d'autre. La couleur ne va pas changer quand on appuie sur les touches. Je crois pas qu'on puisse la changer. Je vais un peu bégayer, mais vous m'en voulez pas. C'est parti pour la cinématique, les amis. Ok les amis, juste avant de passer à la vidéo, j'ai un petit truc rapide à vous montrer. Tout simplement des écouteurs sans fil de la marque Trania. On les ouvre et voilà, on a des écouteurs sans fil Bluetooth qui sont réputés pour avoir des bonnes basses. La batterie fonctionne 6 à 8 heures, donc vous pouvez écouter 6 à 8 heures de musique avec. Le prix est inférieur à 50 euros, donc voilà, on va les tester. Je vais voir si je valide ou pas. Bien sûr, c'est un placement de produit, mais je vais tester les basses et si je valide pas, je vous le dirai. Tous les liens sont en description. Donc personnellement, étant un grand fan d'écouteurs sans fil, je pense que vous proposer ce produit n'est pas insensé. Les petites notices et la boîte à accessoires juste ici. Les embouts de rechange et le câble USB. Donc les voici, ils sont vraiment très clean, là on peut me voir je pense, super clean, la boîte assez lourde, assez compacte, ça passe vraiment en crème, on va l'allumer et on va tout simplement tester ces écouteurs les amis. Ok les gars, on va test, alors je suis déjà connecté donc juste à écouter de la musique et je vous dirai mon ressenti, hop, ok, bon. C'est décidé les gars, je vais prendre pour demain la salle de sport. Ils ont vraiment une bonne basse en vrai. C'est pas du fake et aussi bah ils crachent vraiment bien. Clairement ils crachent vraiment bien. N'oubliez pas petit code promo pour avoir une réduction sur les écouteurs. Bref, on passe à la vidéo. Bisous à tous. Allô. 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 Allô les. Ça va ou quoi? Ouais mec. Mais oh, Gilles, ça va? Attends, vous êtes combien là? What the fuck? Oh, ça va, calmez-vous, calmez-vous! Doucement, doucement, respirez! Gilles, je recharge ma manette, je t'aime! Sois Clément, sois Clément! Attends, non, mais arrêtez de me suivre là! Attendez, go la moving zone et là on va pouvoir discuter là! A partir de 1000 euros, on peut discuter, monsieur! Oh my god, ça va GX? Bah tranquille. Oui, je me sens un peu agressé mais sinon tout va bien là. Et bien re les amis, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale. Je crois que j'ai un peu trop gueulé. Alors on se retrouve en moving zone avec le clavier. Le clavier qui est ma foi assez satisfaisant mais un peu bizarre pour la prise en main. Personnellement je ressens de la difficulté à jouer avec ce clavier. Je sens que je vais me faire défoncer. Étant donné que que j'ai pas du tout l'habitude de jouer avec un clavier avec des touches rondes, c'est vraiment perturbant. Pour ceux qui ont la chance d'essayer ça, vous allez voir que c'est vraiment perturbant. On va essayer de monter, hop. Il y a des abonnés aussi, je crois qu'ils vont, je sais pas s'ils vont focus ou pas, mais ça se pourrait bien, ça se pourrait bien. J'ai un problème d'FPS, j'ai que 140 FPS alors que j'ai une carte graphique à 500 euros. J'arrive pas à m'exprimer, c'est sans doute les abonnés. Vas-y, allez. Oh, le ramasse de qualité. Oh, les bâtards, ils ont voulu... Il a voulu me troll. Il faut que je t'empoie un maximum. Allô, tu t'amuses, Zizo? Ouais, ça va. Ouais, vas-y, crève. Allez, allez, cher. Ouais, bien joué, bien joué. Bon, du coup, vous avez vu que le clavier, c'est un peu galère. Honnêtement, c'est un peu galère. Bon, c'était la première game. Deuxième game, les amis, c'est parti. Ok, c'est parti. Bon, première game, j'ai fait 2 kills, mais c'était du ramasse, bien sûr. Après, chacun sa manière de jouer, comme on dit. Il y en a qui ont un clavier aux touches rondes et il y en a qui ont des super claviers. J'espère que cette vidéo va vous plaire tout de même. N'hésitez pas à me dire des petites idées en commentaire si vous en avez. Des idées de vidéos, je sais pas, des concepts, des nouveaux concepts qui sortent même de Fortnite ou qui sont dans Fortnite carrément. Dites-moi, ou des objets unbox que vous aimeriez. Réellement, c'est aussi un petit peu vous qui regardez les vidéos quand même. Parce que moi, c'est pas moi qui fais les vues sur mes vidéos, c'est vous. Donc ça doit intéresser mon public et pas moi. Enfin, moi aussi, parce que sinon c'est pas drôle du tout à filmer, mais vous avez compris quoi. Ok. Oh, wow. Wow, je suis perdu. Je crois qu'il y a quelqu'un pas loin. On va essayer de faire ça. Ok, alors lui. Alors lui. Non, j'ai loupé. Je sens que je vais me faire focus. J'essaie de reload, mais ce sniper est long à reload. Ça, c'est chiant. Je me mets dans l'angle mort. Ok, c'est bon, je reload. Bon. Honnêtement, c'est hardcore, les gars. Honnêtement, c'est hardcore. J'ai tout mon build pour rien. Et il y en a qui veulent
me focus, donc c'est assez chaud. Bon, j'ai plus beaucoup de build, il serait plus prudent de descendre. Bon, je vais vraiment mourir là. Là, c'est vraiment la galère. Oh mec, la tête. Ouais non, ça c'était bon, j'en plus. Mais je suis avec un clavier là, je suis pas... Oh putain, oh, bah je suis mort, je suis mort. Oh. Voilà, deuxième game plus concluante que la première. Vraiment plus concluante de ouf. Bon, troisième game les amis, et je pense qu'on aura un petit avis sur le clavier. Même si tu sens que le truc c'est un petit peu du plastique, tu vois. Il est cool mais c'est quand même un petit peu du plastique. Et c'est ça son défaut, on va dire. C'est son défaut. Ok, je tiens à dire que j'ai eu ce clavier bah, tout simplement de ma poche. J'ai payé tout simplement le clavier. Il m'a pas été envoyé, je suis pas payé pour faire cette vidéo. Je préfère être honnête avec vous les amis. Mais dans pas longtemps il va y avoir pas mal de vidéos sponsorisées. Parce que Lucky m'a trouvé beaucoup de partenariats. Et bah voilà, du coup je suis entre guillemets un petit peu obligé de les faire. Mais c'est pour le bien commun, on va dire. C'est réellement pour, c'est pas pour m'acheter des trucs à la con. Même si je pourrais totalement, hein, je pourrais totalement le faire. Oh. Ok. Oh. Ça, je trouve ça vraiment stylé quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, on va prendre un chemin safe. On va prendre un chemin safe vite. La zone est juste derrière moi, je crois. Yes, ça se fight. Ça se fight. On peut en profiter pour boire une potion, voire deux. Deux si on est chaud. Non, il y a la zone. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Ça s'est pas passé comme je voulais. Mais pourquoi l'escalier est tourné? Ah, c'est quelle touche? C'est ça qui est perturbant aussi. On peut pas savoir la touche réellement qu'on a dans les mains. Ouais, bah je suis mort, archi mort. Non, j'aurais pu le tuer. Thibaut, putain. Thibaut, j'aurais pu le tuer. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette magnifique vidéo. N'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. En tout cas moi je vous laisse ce clavier, du coup une note sur 10, je mettrai on va dire allez 7 parce qu'il y a quand même des trucs qui sont vraiment stylés. Mais la prise en main est pas bonne, vraiment elle est pas très bonne. Donc voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Portez-vous bien, c'était GX.